journal africain très présenté par Nesaline Dahmoun, très très présenté par Nesaline Dahmoun. Bonjour Nesaline. Bonjour Hayat, bonjour à tous. La trêve prévue pour le mois de Ramadan n'aura duré qu'une journée au Soudan après des affrontements avec des groupes rebelles. L'armée soudanaise annonce avoir repris le contrôle de la station de radio et de télévision de Omdurman. Plusieurs hauts responsables américains se rendent aujourd'hui à Niamey pour renouer le contact avec l'armée au pouvoir et les appeler à revenir à l'ordre constitutionnel. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, reçu ce mardi à Moscou par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour examiner l'évolution du dossier sahraoui. On parlera enfin de sport, des Jeux africains au Ghana, de volleyball, l'équipe nationale féminine qui affronte le Congo, et de football évidemment, l'USMA connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue égyptien, Abdel Fattah Sissi, qui lui a adressé ses vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. On vous le disait, au Soudan, après des affrontements avec des groupes rebelles, l'armée soudanaise annonce avoir repris le contrôle de la radio et de la télévision de Omdurman à l'ouest de la capitale Khartoum. Des affrontements avaient déjà éclaté hier entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la capitale, malgré les appels à une trêve pendant le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Khartoum depuis hier? Les détails avec le docteur Mouzmel Souleymane Hamd Mohamed Abdallah, directeur de l'information de l'établissement public de la radio et de la télévision, contacté par Liesterini. Pour ce qui est du cessez-le-feu proposé par l'ONU, sur la forme, il a été approuvé, mais sur le fond et le contenu, il n'est pas réaliste. Cette trêve ne traite pas le vrai problème au Soudan. Les forces de soutien rapide ont attaqué les maisons des Soudanais, pillé leurs biens et même violé leurs femmes. Il y a eu beaucoup de morts civiles. Les citoyens se sont révoltés et c'est ce même peuple qui fait pression à l'armée régulière pour mettre fin au massacre et la rébellion des paramilitaires, surtout au niveau d'El Khartoum et El Jazeera. Aujourd'hui, la résistance populaire, les patriotes renforcent l'armée régulière pour le bien du pays. En ce deuxième jour de Ramadan, il y a des dizaines de maisons qui ont été libérées des mains des milices à Omdurman. Le siège de l'établissement public de radio et télévision a également été libéré par l'armée. C'est un lieu qui abritait des otages. Donc, le fait d'avoir repris le contrôle représente une grande symbolique nationale. Direction le Niger, plusieurs hauts responsables américains se rendent aujourd'hui à Niamey pour renouer le contact avec l'armée au pouvoir. C'est ce qu'a indiqué le département d'État. Il s'agit du sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, de la haute responsable du Pentagone, ainsi que le commandant en chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, qui vont discuter avec les militaires nigériens d'un retour à l'ordre constitutionnel. Il faut rappeler que Washington avait suspendu sa coopération avec le Niger après le coup de force du 26 juillet 2023 qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Mais toujours concernant le Niger voisin, l'instabilité politique et économique se fait ressentir en ce début du mois de Ramadan. De nombreux produits alimentaires sont difficilement, si ce n'est pas du tout, disponibles, en plus de l'augmentation des prix sur le marché. Un point de la situation avec le journaliste Takis Kalongo, contacté par Rabea Slimani. Le mois de Ramadan a débuté hier au Niger et il coïncide avec la situation économique très difficile, d'abord née des sanctions que la CEDEAO avait imposées au Niger et qu'elle a levées récemment. Avec la levée de ces sanctions, les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre parce que la difficulté, on la sent encore, elle est là. Certes, il y a une grande différence avec les Ramadans précédents. Malgré les sanctions, cette année, on n'a pas enregistré une hausse considérable des prix comme l'année passée, surtout pour ce qui concerne les produits de première nécessité. Par contre, il y a d'autres produits qui sont difficiles à trouver, et c'est surtout les produits jardiniers, comme les citrons, comme les gingembres, qui sont des choses qu'on aime beaucoup plus. Il y a aussi la plante qu'on appelle moringa, qui a considérablement augmenté, parce que le sac a passé de 7 000 à 25 000. À part ça, il n'y a pas en tout cas de très grandes difficultés à rester en ce début du mois de Ramadan.
Passons à présent au dossier sahraoui. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a été reçu ce mardi à Moscou par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. L'occasion pour le chef de la diplomatie russe de réitérer son soutien à une résolution du conflit dans le cadre de l'ONU via un référendum d'autodétermination. Les détails de cette rencontre avec Liestrini. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, réitère la position de son pays en faveur d'un règlement du conflit sahraoui, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Lors d'un entretien avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, à Moscou. Au cœur des discussions, le rôle de la MINUSMA et les perspectives de la reprise du processus politique pour la tenue du référendum. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Il n'y a pas longtemps que la Russie a accueilli une délégation de haut niveau du Front Polisario. Elle a été accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères et c'est devenu d'ailleurs une coutume depuis quelques années déjà. La Russie, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, elle joue un rôle important dans la recherche d'une résolution à la question du Sahara occidental. La visite de Mistura entre dans ce cadre-là. On espère que de Mistura puisse donc faire avancer les choses. Le Maroc, le Makhzen, fait feu de tout bois afin que de Mistura fasse la même chose que ses prédécesseurs qui ont malheureusement échoué. Le peuple sahraoui et le Front Polisario espère que la Russie puisse faire les pressions nécessaires afin que ce dossier puisse bouger au niveau du Conseil de sécurité. On note que le Maroc a tenté à maintes reprises d'entraver la mission de Mistura en l'empêchant notamment de visiter les territoires occupés du Sahara occidental ou plus récemment en critiquant la visite de ce dernier à Pretoria, en Afrique du Sud, affichant une opposition claire au processus onusien. Et on passe à présent au sport. Lotfi Benidel, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. On va commencer par les Jeux africains au Ghana. Deux nouvelles médailles pour l'Algérie en haltérophilie. Tout à fait, remportées cet après-midi par Ikram Chalala dans la catégorie des 64 kilos à l'arraché et l'épaule jetée. Ces deux nouvelles médailles s'ajoutent aux six autres remportées en haltérophilie dans la journée d'hier. Trois en or grâce à Samil Farjallah, alors qu'Ikram Chirchour a remporté pour sa part deux médailles d'argent et une en bronze. On reste avec les Jeux africains, une moisson de 4 médailles aux échecs, dont une en or. Tout à fait, la médaille d'or a été remportée par Lina Nasr en jeu individuel, ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre la barre des 16 médailles d'or après ceux remportés hier en haltérophilie et en natation. Et sur cette belle performance, je vous propose d'écouter Lina Nasr contactée par Rostam Yahyachlif. La compétition, elle était dure. Les adversaires, ils étaient bien préparés. Donc, les matchs, ils étaient difficiles jusqu'à la fin. Et on a fait beaucoup d'efforts. Et, alhamdoulilah, on a quand même réussi à gagner des médailles dans chaque compétition jouée. Je suis satisfaite de mes résultats, malgré que je pouvais faire mieux. Et pour mes prochains objectifs, Inch'Allah, je continue d'améliorer et d'honorer mon pays. Et on passe tout de suite au football. L'USMA fixé sur son adversaire en Coupe de la CAF. Tout à fait, l'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la CAF, sera opposé au Nigérian de Rivers United en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine, suivant les résultats du tirage au sort effectué ce mardi au Caire. L'USM Alger disputera donc le match aller le dimanche 31 mars au Nigeria, avant de disputer la seconde manche le 7 avril au Stade du 5 juillet. Et on croise les doigts pour l'USMA. Le monde en bref, le monde africain en bref. Hein, le nouveau premier ministre guinéen, Amadou Ourba, a reconnu que les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2021 devraient le garder au moins jusqu'en 2025 et manquer à leur engagement de partir d'ici fin 2024. L'aide alimentaire destinée à des centaines de milliers de réfugiés soudanais au Tchad, dont certains sont au bord de la famine, sera malheureusement suspendue le mois prochain. Sans financement supplémentaire, a annoncé ce mardi le Programme alimentaire mondial, le PAM. Depuis le conflit qui a éclaté au Soudan il y a près d'un an, plus d'un demi-million de réfugiés soudanais ont fui vers le Tchad en traversant la longue frontière désertique et le pays est désormais l'un des principaux foyers de réfugiés d'Afrique avec plus d'un million
au total, selon l'ONU. Il est 17h10 sur Alger 3. C'est la fin de ce journal africain. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 18h avec Sofiane Saouli. Tout de suite, retour de Douga Douga.